Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, santé, bien-être spirituel. Donc on va aller zoomer au niveau de la santé, du bien-être, du spirituel d'une personne. Et on va voir tout ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. On va prendre ce magnifique oracle et on va prendre le message du jour dans votre santé, dans votre spirituel. J'espère que vous vous portez bien. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour votre écoute. Merci pour tout, pour tout. Allez, santé, bien-être spirituel aujourd'hui. Donc c'est du général, hein. Faites bien preuve de discernement. Tous les messages ne pourront pas vous parler. Tous les messages ne pourront pas vous parler parce que c'est du général. Alors, chakra solaire. Alors aujourd'hui, si vous avez des problèmes qui impactent votre quotidien, ça peut être du stress, ça peut être de la tension, des crispations, estimez-vous davantage, respirez, décontractez-vous, il y a un rééquilibrage miracle en cours. On vous recommande aussi de vous faire des automassages aujourd'hui du plexus, ça peut être du plexus pendant 5 minutes par jour, d'accord? Ça va vous faire des automassages au niveau du plexus 5 minutes par jour, ça va vous faire du bien, ça va aussi peut-être soulager des douleurs. Des douleurs que vous avez au niveau de votre santé et de votre bien-être. D'accord? Et si par ces automassages du plexus, vous avez toujours des douleurs, ne de pas hésiter à demander de l'aide, à faire un soin. De faire un soin. Voilà. Faire un soin. Faire un soin plus en profondeur. D'accord? De ne pas rester avec des douleurs au niveau du plexus solaire. Ça peut être des douleurs au niveau, voilà, du plexus solaire. Ça fait comme des crampes au niveau de votre estomac et peut-être que ça vous bloque aussi pour manger. Il y a peut-être une perte d'appétit. En tout cas, ici, il y a des good vibes. C'est mon anglais. Alors, décharge. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Donc aujourd'hui, déchargez toutes vos inquiétudes mentales. Ça ne sert à rien, hein, de s'inquiéter mentalement. Voilà. Voilà. Ça ne sert à rien. Optez vraiment pour une positive attitude aujourd'hui et vous pouvez être dans l'hésitation. Alors si vous vous sentez dans l'hésitation aujourd'hui, on vous recommande la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. D'accord? Si vous êtes dans l'hésitation, oui, il y a un choix que vous devez faire, il y a un choix que vous avez à faire. Pour moi. Un choix, peu importe quel qu'il soit. Allez, je prends ce magnifique oracle, on va les voir. Santé, bien-être spirituel, le message que vous avez à recevoir aujourd'hui. Ici, alors, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Donc là, si vous avez une montagne et vous avez vraiment la foi, dites à la montagne, en fait, par vos prières, demandez par vos prières, par vos demandes, par vos souhaits, que cette montagne se transporte d'ici à là. D'accord? Peu importe la montagne qu'elle soit. D'accord? Voilà. Demandez absolument tout pour que tout se transporte et se transforme. Et là, vous allez recevoir le vrai pain du ciel. D'accord? Donc là, il y a une récolte. Il y a le vrai pain, vous allez récolter le vrai pain du ciel. Ensuite, c'est tout bon, je partage le message. Alors, joie, une fin de stress pour une personne. Une fin de stress qui va vous permettre. Vous allez reprendre beaucoup de. Je sens que vous n'allez plus avoir de stress, vous allez et vous allez reprendre beaucoup de force.
Et je vois aussi, en fait, la fin de ce stress, il y a quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui peut apporter, qui peut générer ce stress, mais en fait, je vois la fin de résistance. Je vois que vous n'allez plus rester bloqué non plus dans ce stress. Il y a une fin, il y a une fin, il y a quelque chose qui se stoppe en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se stoppe. Qui se stoppe pour vous. Et vous n'aurez plus un impact du stress. Un impact, voilà, quelconque. Je vois un sommeil aussi. Alors j'ai un deuxième message. On parle d'un sommeil qui redevient. Qui va redevenir très bon pour une personne. Je vois aussi que vous allez sortir et je vois une fin d'addiction pour vous. Et cette fin d'addiction, ça, vous allez vraiment, ça va être un miracle, hein. Vous allez voir ça comme un miracle. C'est ce que vous désirez, sortir d'une addiction et aussi récupérer du sommeil. De plus être stressé, de bien dormir. Et en fait, c'est peut-être cette addiction qui impacte votre sommeil. Vous fatigue beaucoup aussi. Et en fait, là, il y a un miracle qui est en cours, hein. Et c'est actuellement, hein, c'est actuellement, d'accord? Y a du stress à l'intérieur de vous. Je reviens sur le premier message. Il y a du stress à l'intérieur de vous, en fait, pour moi, qui reste bloqué en permanence aussi. D'accord? Et donc là, il y a un retour à la douceur. Vous allez vous sentir vraiment bien, moins stressé, moins oppressé aussi. D'accord? Vous allez vous détendre. Vous allez vous sentir vraiment, vraiment détendu. D'accord? Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. C'est un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc., etc. À bientôt!